Maxime qui vivent en Haïti, Axila qui vivent dans la diaspora. Moi content pour moi avec nous à soir. Ça fait un bon petit temps nous pas gagner petit parler ça en direct. Je dis à un objectif petit parler ça, c'est parce que il y a en pile journalistes en Haïti ou à l'étranger qui a brûlé pour demander une réaction sur dernière décision président Luis Abinader prend pour interdire d'entrer en République dominicaine. Les Haïtiens, nous connaissons qui ça déjà qui motive la décision ça. La décision ça, c'est parce que nous connaissons ma bataille contre le racisme, contre l'anti-haïtianisme à l'égard de nos frères et sœurs qui vivent en République dominicaine. Frère Maxime, nous connaissons, c'est parce que moi j'ai des positions claires sur question Rivière Massacre. Rivière Massacre, c'est une ressource en eau partagée. Il y a un traité international que deux pays aussi un qui dit mais comment ils sont capables d'utiliser les ressources que ils ont en commun. Traité ça, les traité d'amitié, de paix perpétuelle et d'arbitrage, les signé en 1929. Dominicain yo, et traité ça dit d'abord que nous devons utiliser les ressources yo de manière juste et équitable. Dominicain yo prend 11 prises de côté par yo sur rivière. Première prise que nous voulons prendre sur rivière, Dominicain yo veut faire pression sur nous. Moi-même, l'aime des ministres affaires étrangères, moi te dit n'a continuer travail là, nous pas prendre pression dans main République dominicaine parce que aucun pays étranger pas doué fait injonction sur Haïti pour camper sur travail la fait sur territoire. Bagay ça pas fait dominicain yo bien du tout. Yo te tann là yo te assassiné président Jovenel Moïse 7 juillet 2021 ou bien après président Jovenel Moïse fin assassiné pour yo te fait injonction ou bien mandé nouveau gouvernement pour pas faire travail là. Faut me dire que travail ça nous t'a fait sur rivière massacre là. Il t'a pral irriguer ou bien arroser 3000 hectares de terre dans bas plaine Maribaou dans département nord-est pour permettre paysans yo capable raler un souffle dans quelque production agricole. Frère Maxime yo, nous connaît raison déjà. C'est parce que moi dénoncé à plusieurs reprises comment président Abinader a utilisé question Haïtia pour qu'a fait tête en santé politique la Kaili et pour assurer un leadership dans la région. Ce n'est pas parce que le généreux, c'est parce que effectivement l'a utilisé Haïti comme un pion. Et moi-même, moi j'ai une chance, et chaque fois que j'ai une occasion, alors, moi dénoncé ça. Nous connaissons pour qui ça? C'est parce que ma bataille contre le traitement que Haïtiens font action nous après en République dominicaine en bas main ultranationaliste. Nous connaissons pour qui ça? Nous connaissons parce que ma bataille, moi pas voulu que ultranationaliste croit que au café Haïti tourne si la coup de la caillou, si la coup de la caillou politiquement et économiquement. C'est pour raison ça yo qui fait Luis Abinader sorti décision pour dire moi pas qu'à rentrer en République dominicaine. Frère Axemio, moi dois dire nous ça. Moi pas considérer ça comme une sanction. C'est pour moi un honneur parce que m'a continué bataille décision ça li pa intimidé moi. M'a continué dénoncer abus qu'a fait sur haïtien yo. M'a continué exiger que relation nous gain avec République dominicaine nan son relation qui harmonieuse, son relation qui fait dans la paix mais son relation qui aller dans respect une pour l'autre. M'a continué demander ça parce que moi-même l'aimé chancelier, moi t'ai développé de très bons rapports avec la République dominicaine. Même pas de jamais rater une occasion pour me dire si vous voulez un bon rapport avec nous, même si vous voulez un bon rapport avec vous, il faut que suspend utiliser dans le discours officiel de thèmes très péjoratifs sur Haïti et Haïtien. Nous songer expérience ça. L'aimé dans la République dominicaine, moi t'ai rencontré avec le président Abinader, moi t'ai rencontré avec ministre des Affaires étrangères là, moi te dis ça clair. On nous suspend avec narratif négatif sur haïtien à Haïti. Ça veut dire on suspend pas les haïtiens à Haïti mal. Mais si c'est ça,
qui fait que je signe une lettre de condamnation, moi déjà condamné. Frère Axemio, je dis à c'est extrêmement important. Si Luis Abinadel prend décision ça, c'est parce que il pensait en Haïti pas un bon patriote. C'est parce que il pensait nous qu'a quitter décision passé comme ça. Au monde qui était ministre affaires étrangères, qui était premier ministre dans pays, ou mettait dans une liste bon côté de chef de gang. Il voulait dire qui ça? Il voulait dire que chaque fois qu'un dirigeant haïtien qui campait pour dénoncer mauvais traitement, qui campait pour dénoncer abus que haïtien yo a victime dans la République dominicaine, eh ben c'est un gang. Chaque fois qu'un haïtien qui dit camper garder dominicain, dirigeant dominicain yo dans yeux, eh ben il méritait pour le condamner. Yo étonné parce que ça pas arrivé facile dans l'histoire pays d'Haïti pour un dirigeant qui était avec caractère devant la République dominicaine pour le dire ça n'a fait aller pas bon. Et l'MT ministre des Affaires étrangères et l'MT premier ministre et kounia moi pas ministre encore, moi toujours gagné même position, moi garde constance dans position par rapport aux ultranationalistes, par rapport aux racistes dominicains qui croient que Haïti est capable de tourner arrière-cour. Ça, nous dit que le pape passe. Peuple haïtien, jeunesse pays, c'est mon tankou nous qui fait l'histoire. C'est mon tankou nous qui fait l'histoire. Soyez toujours juste dans vos prises de position. Mais, pigano jam peu. Ayez le courage de votre conviction. C'est ça qui caractérise comme ministre des Affaires étrangères, qui croit que notre mission c'était défendre les intérêts supérieurs de la nation. Et moi, fais avec fierté, avec honneur. Chaque fois pour me défendre dignité haïtienne à Haïti, je fais, quelles que soient les conséquences. Je te connais. Différentes positions que je prends pour Haïti et Haïtien, te ka causé en pile ennui. Même te assumé yo. Moi te assumé yo. Je dis à peuple haïtien, sou cause ça même. Et me le dit non, cause ça son cause réelle. Faut nous faire en pile attention à distraction, diversion et faut nous veiller très yo. Gen en pile position qui va le prendre parce que nous connaît et en pile gros intérêt. Mais moi capable dit non. Ça nous démontrer récemment 3 septembre là dans hôtel Caribé. Livre dit que nous capable faire voir nous passer. C'est suite à position nous prend qui t'est clarifié ou ensemble de position nous prend qui fait dominicain yo particulièrement Luis Abinadel qui son président tout le monde connaît qui en perte de vitesse dans pays mais qui joint une occasion pour le rallier ultranationaliste derrière en utilisant Haïti et en utilisant Claude Joseph. Nous connaissons déjà que Claude Joseph, ti Claude Papéchaï. Mais qu'on y a nous-mêmes, ça qui se passe là, c'est une occasion pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous construire un Haïti à la dimension de sa glorieuse histoire. Ce n'est pas pour ça Papa Dessalines est mort. Ce n'est pas pour ça Christophe t'a travaillé. Ce n'est pas pour ça Toussaint t'a travaillé. Donc, moi, recevoir, moi accepter et moi croire que décision ça lui fait honneur et pas sanctionner parce que déjà moi-même côté qui important pour moi c'est la caille moi Haïti c'est ça que fait me fait choix pour me rester dans pays moment ça nous doit dépasser simple individu qui est Claude Joseph là qui était ministre affaires étrangères qui était premier ministre nous doit regarder Haïti son moment pour nous couler les épaules. L'église, l'école, famille, politique, yo. En nous couler les épaules, en arriver où est-ce que nous sommes capables de construire vraiment un Haïti dans la dimension de l'histoire. Moi, je voulais conclure pour me dire, décision ça, c'est pas intimidant. Au contraire, libre plus force pour me battre pour le pays. Au contraire, il y a plus force pour me battre pour Haïtiens
qu'à vivre tout côté, mais qui a subi mauvais traitement. Mais les bambes sont tout plus force pour nous ranger la caille. Haïtiens, frères actionnaires, pas quitter pays en masse pour aller mourir dans la mer et dans la rage. Donc, il est important. Moi-même, pas oublier, peuple haïtien. Moi, je suis ministre des Affaires étrangères. Moi, je défends l'intérêt pays. Chaque fois, occasion présentée, moi, pas jamais, pas défendre l'intérêt pays. Quel bagaille nous connaissons? Il y a un pilote nous ne connaissons pas. Historien, yo va écrire. Il y a moun qui peut lire l'histoire. Moi choisi faire l'histoire. Moi choisi défendre pays, moi choisi travailler pour pays. Je dis à situation pays a pas bon. Mais pas oublier. C'est pas seulement de façon conjoncturelle qu'on a regarder. Gagner un système. Gagner une mise en place de un système qui sont système générateur d'extrême pauvreté, d'injustice et d'inégalité. C'est le système ça, je ne voulais casser. C'est lui-même, je voulais bailler carton rouge. Système ça, l'échita sur la capture de l'État, l'échita sur rente, avec un pile rentier. C'est lui pour nous combattre. Et c'est lui-même ensemble que jeunesse là, le bailler carton rouge. Nous ne pouvons pas suspendre. Bay système dans carton rouge. Nous pas suspendre bay gardien ak bénéficiaire système dans carton rouge. Parce que si nous pas casser système là a casser nous. Mais attention. Faut nous faire une différence entre les systèmes là a renouveler tête li et les renversements n'a pas à arriver. Système là sont système qui sous pilotage automatique. Chaque fois système là arrive dans bout li, les renouveler tête li automatiquement. Renouvellement, c'est le système qui fait. Mais renversement, c'est nous qui faisons. Jeunes pays, peuple haïtien, invitez-nous pour nous mettre main ensemble. L'église, politique, famille, l'école, toute institution importante, invitez-nous ensemble pour nous casser ce système-là, pour nous bailler Haïti une chance, pour nous gagner un autre pays, pour nous construire Haïti à la dimension de son histoire. Peuple haïtien, frère Maxime, vous voulez dire nous ça pour nous finir. Ou en bataille ça, n'a pas mené. Veillez conseil, veillez traite. Parce que bataille contre ultranationalistes dominicains qui voulaient faire Haïti tourner la cour de la caillou, pas un jouet de bataille. Il y a un pile intérêt qui est en jeu. En nous veillez traite, en nous veillez conseil. Mais surtout, en nous mettant ensemble pour nous construire Haïti dans la dimension histoire. Merci un peu.